Voilà. En ce énième, peut-être le 26e dimanche après la Pentecôte, 6e dimanche avant Noël, 6 mois avant les présidentielles et 47 ans après Pearl Harbor, voici Ange et le révérend Père Francis qui va nous narrer la sombre histoire du nain de Stanislas. Le nain de Stanislas, toujours entre deux portes. Le nain de Stanislas menace de rire. Nicolas Ferry, tel était son nom, d'un bon exercice, il était bouffon, le cœur en ficelle. Au de quelques rousses, il nous contamine, l'entendu qui glousse. Sous les crinolines, le nez aux dentelles. Le diable l'entendu, ce nain, qui le donne, qui le propage. Jusqu'au sommeil. Bébé le gros chien crie dans la luzerne. On lâche le chien la nuit aux lanternes. Le nain est trop précieux. Le nain est trop précieux. Monsieur, son dernier sommeil le dirigea très loin, au beaucoup plus loin, d'un port de plaisir où les nains grandissent d'éloquence, grandissent au fil des années-lumière. Eh oui, monsieur Stanislas, pardon, monseigneur, tu te gavais à ces moqueries, mais ton âme vole vers une onde où le bruit de ton tric-trac n'écorche même plus ses oreilles, où tes éclats de rire s'engloutissent corps et âme. Dans un puits de lumière, monsieur Stanislas.